un programme qui nous présente au gouvernement, inapprouvé par cabinet, par ministère, qui est un projet Sustainable Project for the Dog Population Control in Mauritius. Ça veut dire qu'il y a un projet holistique, ça. Là-dedans, il y en a quatre piliers. Il y en a l'enregistrement, qui vous évoquez, où il y a un survey de bons chiens, qui nous peut commencer très bientôt, où il y a la stérilisation des chiens qui est un propriétaire, et bons chiens errants. Quand nous causons de ce programme-là, l'enregistrement, nous utilisons un database qui est moderne. Pareil comme pour enregistrer le chien d'Audrey ou chat, nous pas qu'à continuer, mettre loin un petit bout de papier, Absolument. ramasser, mais quand nous pour Il y a un ramasser petit chien-là, file, c'est pas un ça, cabinet. quand nous ramasser chien-là, comment parler de ça? Là, nous faire un tender, en toute transparence, nous gagnons un service provider, le projet fait qu'être livré. Nous pouvons faire lancement très prochainement. Lié un système que nous pouvons décentraliser l'enregistrement Bah que oui. tout bon vétérinaire. Bah. C'est pour cela que la proclamation a pris un petit peu de temps. Ça va venir, dans le sens qu'ils ne sont pas capables de dire avec Audrey, allons enregistrer au lycée. Après, Audrey dit avec Audrey, ça Rosine. Non, mais... Donc là, nous avons tout un plan qui nous peut faire. Les vétérinaires qui veulent participer pourront enregistrer leur chien de leur cabinet. Non, Et mais... les autres pourront gagner accès. Ce lichien est déjà stérilisé depuis 2010. Lichien-là, il est encore vivant. Mais à l'époque, quand tu peux faire stérilisation, pas tu peux enregistrer. Ça, c'est un nouveau système qui nous a amené. Maintenant, nous, ce qui nous pouvons faire, un vétérinaire autour de l'île, ils pour capable enregistrer l'île, ils pour gagner accès au D'accord, database. mais c'est pas suffisamment, c'est pas suffisant. Maintenant, nous prenons un deuxième moyen que dans une région de bonne poche, que ban du monde peine a beaucoup de moyens, nous pourrons faire un roadshow. C'est nous qui pourrons vers eux pour enregistrer les lichiens. Et troisièmement, nous pouvons aussi explorer la possibilité qu'il y ait une ONG Très aussi important. capable d'apporter le projet. Et D'accord. additionnel, là, nous pouvons aussi enregistrer les chiens de ban ONG, le nom de ce ban ONG. De nos côtés, MSO nous propose un service d'incinération. Le prix, si je ne me trompe pas, 1 500 il y a rupies. 1500 roupies. C'est pas D'accord. 1 500. Et que nous offert le transport est payant aussi. Mais ça qui nous fait que mettre en place. Nous mettons ben, différents composants, ça veut dire du point d'aller dans les semaines qui viennent à Belmore, Plaine-Magnan, Union Park avec Rosehill. Ça veut dire qu'on a quatre stations pour du Super. monde pour capable déposer le cours du toutou. Et que L'incinérateur se trouve à... non, l'incinérateur, nous travaillons avec le ministère, Oui. ça se trouve près de Belmore. Et ça m'a fait une anecdote, place là, moi, tu peux le citer, c'est le bassin requin.